trop déprimé. Hein. Bon, on est trop contents aujourd'hui. Ben, on espère que vous allez bien déjà. Aujourd'hui, je sais pas quelle journée. Aujourd'hui, on est jeudi. On est jeudi. Et ouais. Et le jeudi, qu'est-ce qui se passe? On a des livraisons Maison du Monde. N'importe quoi, pas tous les jeudis. Non, pas tous les jeudis. Non, mais ils livrent que le jeudi. Mais ils livrent quoi. Que le jeudi. Les mecs, ils livrent que le jeudi ici, tellement ils viennent pas souvent. Et ouais. Donc voilà, ça fait 2 semaines qu'on attend, je crois. Hein. Ouais. Une bonne dizaine de jours. Encore, c'est arrivé vite. Parce qu'en fait, on a recommandé le fameux. Putain, ouais, le miroir. Le fameux miroir. Il est pas déballé, donc on peut dire que c'est la fin de cette histoire. Mais cette histoire, elle dure depuis 6 mois. C'est ça. Et en fait, ce miroir, on l'a recommandé parce qu'il y a 3 semaines à peu près, oui, quand t'es allé faire tes ongles. Le transporteur qui m'appelle, oui, alors votre miroir, on l'a reçu, mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous le voulez toujours? Mais je dis, ça faisait depuis juin qu'on attendait. Mais c'est ça, mais en fait, on le voulait toujours, sauf qu'entre temps, Maison du Monde nous avait remboursé parce qu'ils avaient plus de dispo, parce que c'était en octobre. Et en fait, ils sont venus en nous disant, on vous échange le miroir, on vous en ramène à nouveau et on repart avec l'ancien. Ils sont venus sans miroir. C'est ça. Donc le livreur il dit mais attendez, moi je n'ai pas le miroir, donc gardez celui-là, même s'il est pété. Il était pété sur ça mais en bas, donc oui. Hors de question de le garder. En mais fait c'était plus une fissure qu'une péture quoi. Non mais le miroir tombait pas quoi, il restait dedans, il y avait juste un truc comme ça au milieu. Ouais. Donc c'était, clairement t'achètes un miroir à 250 balles. Ouais, moi à 20 euros, moi j'achète pas cassé. Voilà, il est cassé, t'as les boules. Mais on pouvait quand même s'en servir, du coup on l'avait gardé. Et quand ils sont revenus la deuxième fois pour l'échanger, ouais. Pareil. Sauf que j'avais déjà démonté le miroir et les mecs ils chargent le miroir et une fois qu'ils allaient partir... Allez, au revoir. Et je leur dis mais vous avez pas l'autre miroir? Ils me disent ah non, on l'a pas. Du coup j'ai appelé Maison du Monde et c'est là qu'ils ont dit on en a plus parce qu'à chaque fois ils arrivent cassés. Et du coup, moi je pense, dites-nous en commentaire, moi je pense qu'il est cassé. J'ai eu une fois un miroir Maison du Monde pas cassé. Quand je l'ai vu sortir du camion, je l'ai secoué pour écouter, il a pas l'air cassé. Mais quand il l'a sorti, il l'a sorti. On va déballer entre vous. Non, mais le carton il pliait comme ça dans le camion et tout. Putain. Donc, alors ça fait combien de temps? Ça fait 7 mois que ça dure? Ça fait depuis juin. Donc ça fait 7 mois que ça dure. Ça fait un moment. Donc on verra, ça va être la surprise du jour, le déballage du miroir. Du coup, on a reçu. Il n'y a pas que le miroir, hein. Regardez, on a reçu d'autres choses. Les chats sont à fond. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va déballer avec vous et on va voir si c'est cassé ou pas. Non, je l'ai raté. Comment il va faire maintenant pour sortir? Bah là, Doudou, tu vas galérer, hein. Il n'arrive pas à sortir du carton, je crois que il est trop mignon. Mon bébé. Bah alors bébé, faut pas sauter dans des cartons où t'es pas sûr de pouvoir sortir, mon cœur. Tu te mets dans des situations compliquées là. Non mais j'ai peur de le faire tomber, de le casser du coup. Il est pas cassé je crois. Non. Il a pas l'air cassé. Il est pas cassé. Putain, oui. Je suis trop contente. Donc ceci est une victoire. Le miroir est pas cassé. Maintenant il va falloir monter le miroir et ça c'est une autre histoire. Ouais. Donc pour monter le miroir, de quoi avons-nous besoin? Du miroir. Et en espérant qu'il ne soit pas cassé et qu'on le casse pas d'ici là. Imagine là en levant le pet, franchement j'aurais la haine. Hein. Non, pas toi? Carrément. Ça vous ressemblerait tellement. Alors, Noémie, t'es contente? Noémie elle est contente. Donc voilà, le miroir. Ouais. C'est vrai que moi au début quand tu l'as commandé la première fois, je trouvais que c'était moche et tout, je l'aimais pas. Vraiment. Tu l'as jamais dit. Un peu comme ce lustre. Quand tu l'as commandé, je dis oh, c'est pas terrible. Mais tout va ensemble. Et une fois que tout est ensemble et tout, je trouve ça super bien. Et surtout quand on l'avait plus,
parce qu'ils sont venus le récupérer. C'était vide et c'est super pratique parce que quand on part, hop, on se regarde. Par contre, il est vachement déformant. Regardez, ah oui, on est complètement déformant. Mais moi, je me trouve toute tassée. Ouais. Je suis pas très grande. Ouais. Mais tous les miroirs Maison du Monde, j'adore Maison du Monde, mais tous les miroirs Maison du Monde déforment. J'en ai jamais eu un qui déforme pas. Chez Ikea, ils sont beaucoup moins chers et ils déforment pas. Ils sont plus épais chez Ikea, j'ai l'impression. Ah ouais? Les miroirs. C'est quand même aberrant. Hein. Un peu. Je ne vois jamais pareil dans tous les miroirs. Ouais, c'est vrai. Surtout là, il y en a trois Noémie différentes, c'est bien. Il y a une petite Noémie, une grande Noémie, une moyenne Noémie. Non, n'importe quoi, c'est pour moi. Moi, je me sentirais si j'étais c'est ça, voilà, c'est bien. Et... ensuite, on a aussi pris ça. Oui, ça donc c'est pour ça... la pièce maquillage, je ne l'ai pas encore nettoyé par contre. Mais ça, en fait, on devait le mettre au bout du fauteuil blanc qu'on devait acheter et du coup, pas de fauteuil blanc. Ben voilà, en fait, je l'avais commandé en me disant que j'aurais le fauteuil blanc, que ça irait bien ensemble. Les pieds étaient dorés, il me semble, du fauteuil. En fait, on a repris deux chaises parce que à la base, la table, on avait enlevé une rallonge qu'on laissait dans le garage. Celle-là, ouais. Mais quand on a mis toutes les rallonges pour Noël, on avait dit on a la place, autant la laisser comme ça. Enfin, ça fait très grand, c'est sûr, on s'en servira jamais. Sauf quand il y a du monde, mais au moins ça nous évite de stocker les trucs pour qu'elles s'abîment et tout. Là, il y a la place et du coup, ça faisait vide. Il manquait vraiment deux chaises. Du coup, on a repris deux chaises et de toute façon, quand on aura du monde à la maison, comme pour Noël ou. On a toujours des chaises. Et il manque tout le temps des chaises, donc au moins on a des chaises. Des tabourets qu'on pourrait prendre, mais c'est pas pratique parce que c'est des tabourets assez hauts, même si on peut les laisser. Et en plus, ils sont pas du tout confortables. Ben ouais. Et ça de toute façon, les autres chaises dans la maison, on en a pas tant que ça. Non. On en a juste dans la véranda et c'est tout. Dans la pièce maquillage, maman. Oui, c'est on a aussi des chaises d'extérieur. Ouais, non, on a quand même pas mal de chaises. Non, on a des chaises, mais bon, c'est vrai que là, au moins, on est. Mais au moins, c'est toutes les mêmes, quoi. C'est plus sympa. Voilà ce qu'on a commandé. On va se faire à manger. Ouais. Et on vient de finir à manger. J'ai parlé trop vite. De faire à manger avec ces petites mains là, j'avoue. Oui. Moi je n'ai rien fait, elles sont là. C'est un curry végé que Tanguy fait. Donc si jamais vous voulez la recette, mettez-le nous en commentaire, on vous le fera. Là on s'est dit que ça faisait beaucoup de parties en musique et tout, que ça allait être chiant. Mais aujourd'hui si c'est un vlog déco. Ouais, dites-le moi. Ouais. Et la prochaine fois qu'on le fait, ben, on vous le dira en vlog. Et on voilà. C'est vraiment facile. Ouais. On pourrait même faire un retour de course parce qu'on a tout changé et eu au moins une ou deux recettes dans la journée. Un vlog. Mais dites-nous si ça vous intéresserait. Voilà, c'est ça. Dites-nous en commentaire. Mettez un emoji en commentaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme emoji? Un emoji de la fourchette, l'assiette au milieu et le couteau. Ah. Ou de la fourchette et du couteau, choisissez. Un emoji de bouffe, à vous de choisir l'emoji. Voilà, c'est ça. Si jamais ça vous intéresse, mettez-nous ça et on vous fera le vlog. Du coup, c'est délicieux, c'est végé et c'est mais trop bon. Et il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est absolument pas mauvais pour la santé, rien. Même si c'est à la crème, c'est du lait de coco. Donc voilà, c'est ça. C'est pas du tout de la viande, c'est végé. Donc l'assiette de Tanguy, la mienne. C'est vegan, ça. C'est vegan même, ouais. Donc voilà, on va manger, on vous retrouve après. Bon, ça y est, on va bouger. Enfin, ça y est, on va bouger. Je vous ai pas dit pourquoi on allait bouger. On a débarrassé toute cette table là. J'aimerais bien trouver de la décoration qui reste sur cette table. Parce que, en fait, à chaque fois qu'il y a de la déco sur cette table, sinon elle est complètement vide. C'est des décos d'Halloween ou des décos de Noël. Sinon, elle est vide ou alors plein de bordel. Donc, j'aimerais bien trouver des petits éléments de déco qui font que c'est décoré toute l'année quand même. En fait, même hors Noël et Halloween qui durent quand même pas très longtemps. Donc voilà à quoi ressemble cette énorme table. Voici le seul élément de décoration, un rondin de bois. C'est quand même magnifique. Sinon, bah là, il y a tout notre bordel, mais qu'on laisse tout le temps là. Ouais, l'ordinateur, l'iPad et tout, les agendas, les carnets. Bref, tout ça, ça reste là. C'est pas grave, mais là, ça serait bien qu'il y ait un peu de déco centrale. Et on va aller à la... Faudra qu'on descende ça en revenant. On va à la poubelle jeter toutes nos merdes là. Tous les cartons, sinon on le fera pas avant 3 semaines. Tout le reste, c'est bon, c'est déjà jeté. Ouais. Allez, let's go. Puis, Chacha, mon bébé, t'as l'air tout malheureux. Bon, on est allé à Action, Tanguy est en train de se barrer, et c'était un peu un échec. Il y avait rien de très joli. Par contre, là, les terrariums, ils sont magnifiques. Celui-ci, il est un peu grand, je pense. Ou alors les deux, une herbe à chat. Magnifique. C'est trop beau, non? Les gros, j'ai peur que ça soit gros. 50 euros, c'est cher. Genre lui? Lui, en tout cas, c'est trop gros. Ah putain, il est beau. Ça, tu vois, j'aime pas du tout ça. Ça me plaît pas du tout. Ah ouais, c'est un truc de ouf, mais ça me plaît pas du tout. Ouais. Mais putain, il est beau lui. C'est vrai que lui, il est beau. Ah ouais, il est mais beau. Ça va faire gros, mais de la table. Je sais pas, genre j'aurais mis ça à côté du meuble télé, quoi. Tu vois. Par terre, j'aurais mis plutôt. Tellement par c'est terre, grand. C'est pas assez gros, par contre. Du coup, on fait quoi? On opte pour ça? Je pense. Parce que moi, ce qu'il y a à l'intérieur, là, j'aime pas trop les cailloux, ça me plaît pas trop. On vient de tomber sur celui-ci. Il est assez incroyable quand même. Il est plus cher que le très grand.
Mais lui, 70 euros du coup. Mais lui, par contre, il, nos chats le feront pas tomber quoi. Par contre, ils disent sans soleil direct. Sur la table, des fois, il y a le soleil direct. Faudra penser Faudra faire attention, ouais. Ah, il est trop trop joli. Il irait parfaitement là, je trouve. Bah, je le trouve mieux, tu vois, pour mettre sur une table. Mmh. Ouais, moi aussi. Bah, il est plus en, il est plus large quoi que haut. Oh, il est vraiment beau. Franchement, je pense qu'on va prendre celui-là. On s'apprête à manger le meilleur goûter du monde. Mais t'inquiète, il va pas me dire ce qu'il a pris pour lui. Mais rien. Mon Dieu, t'as pris deux pains au chocolat là. Non, moi, je mange pas ça. C'est fait pour moi. T'as pris des pastilles de nata? Ouais. Il y en avait? Ouais. Oh, c'est trop bon les pastilles de nata. Bon, moi, je suis trop fan des pains au chocolat, mais Il y en a combien? Il y en a trois. Ça s'achète par trois, non? Parce qu'à chaque fois, t'en prends trois. Parce qu'il faut un prix pour trois. Du coup, chaque fois, je vois ça, j'en prends trois. En tout cas, c'est pas très gros, hein. Bah non. C'est tellement bon, ça. Moi, c'est très bien d'en manger pour le goûter. Ah bon? Pour moi, je pense que 3 c'est bien. 4 ça ferait peut-être un poil trop. 2 pas assez. 2 pas assez. Ah, d'accord. Ouais, je pense que c'est bien. Ok, on va manger notre goûter et on vous retrouve plus tard. Mais les pastilles de nata, c'est une spécialité portugaise. Portugaise qu'on avait mangé. Ah, mais si, ils sont restés collés entre au eux. Portugal. J'ai l'impression que ma bouillie était collée en bas quoi. Comme ça la main. Pris au piège dans ses sites. Ouais, grave, j'y vois plus. C'est clair. Mais trop, c'est trop bon ça. Oh là là, c'est trop bon. Bon, allez, à plus. Si j'arrive à pas vous foutre du chocolat dessus, je sais pas trop comment faire ça, mais. Mais j'y arrive pas en fait. Je n'arrive pas à vous arrêter. Ah. Bon, on vient de rentrer et je voulais vous poser la question. Est-ce que parmi vous, il y a des cactusologues? Parce que. Le cactus, en fait, il était dans la véranda et je pense qu'il a attrapé froid. Donc je l'ai rentré. Je voudrais pas m'avancer, mais je pense quand même qu'il a eu un peu un coup de froid. Quand je l'ai rentré, ça c'était tout droit. Et puis à la chaleur, il a, il a commencé à pendouiller. Ça, je l'ai mis à côté du radiateur pour le réchauffer, mais ça ne fonctionne pas. Je l'avais mis devant la fenêtre, ça fait une semaine. Ça fait une semaine que je l'ai rentré, mais il y a des endroits où il est un peu vert. Est-ce que vous pensez qu'il va reprendre? Et si oui, que faut-il faire pour qu'il reprenne? Ou est-ce que vous pensez que c'est complètement fini? Je pense que c'est complètement fini. Parce qu'en haut, c'était pas marron comme ça, c'était blanc. Et là, ça devient marron. J'ai l'impression qu'il est en train de... Ouais, qu'il est cuit, quoi. Chacha, il aime bien sa nouvelle herbe à chat. On va la mettre ailleurs. T'as peur d'être là, Chacha? Allez, viens là. Chacha, viens là, allez. Parce que l'autre herbe à chat qu'on avait... On l'a pas assez arrosée, elle était très bien et puis je pense qu'on est parti, je sais pas où, à Los Angeles je crois. Et on a oublié de l'arroser. Bah, on a oublié de le dire. On a oublié de le dire qu'il fallait l'arroser. Mais quand on est revenu, il y avait quelques petites pousses qui étaient encore en bon état. Et puis voilà, tout est flou. Mais par contre, toi je te connais toi. Toi tu me connais? Du coup tu vas laisser l'autre là, vas-y. J'aurais oublié. Non, mais allez, allons voir ce que ça donne le truc. Regarde, là-bas. Tu l'as pas enlevé, tu l'as mis à côté. On n'écoute pas Noémie. Hein. Eh, hey, c'est sympa. Ah, moi je trouve ça magnifique. C'est fou comme ça. Mais il faudrait mettre d'autres trucs, je pense, sur la table. Mais oui, moi. En fait, je pense qu'il faudrait faire genre une famille de petits pots comme ça. Tu vois, on va mettre des petits, des ronds, des machins. Après ça, et même ça, on pourrait le laisser quand tu manges, tu vois, parce que t'as de la place. Tu peux faire comme ça, tu le mets au milieu. Mais c'est vrai, ça serait vachement beau. Bah, tu peux mettre une assiette et tout, tu vois, en mettre des de plus en plus petits et le gros au milieu. Pourquoi on en trouve d'autres? Ouais, si vous savez où on peut en trouver d'autres. C'est la botanique, il y en avait d'autres, mais ils étaient pas beaux. Non. Il y en avait un que j'aimais bien, le petit arbuste là, un pas, peu. Hein. Pas trop, non. Bah, ou alors, faut prendre deux arbustes. Faire une genre de symétrie. Bah. Dites-nous un peu ce que vous pensez qu'on pourrait rajouter. Ouais, je sais pas, moi, je pense faire une famille de trucs comme ça, ça peut être ça sympa. Ça serait super beau. Par contre, si jamais, quand on part, on revient, ils sont morts, je tue tout le monde. Parce que ça coûte super cher. Hein. Mais normalement, non. Ça reste tout le temps humide. Ça reste tout le temps humide. En plus, quand on part. On ferme le volet, donc il n'y aura pas du tout de lumière par-dessus. Tu l'arroses un peu avant de partir et puis c'est tout. Ouais. Il n'y a que si tu l'arroses trop avant de partir. Mais bon, tu dis à ton frère de passer, lui il adore les plantes. Bon, sur ce, je vais finir. Il me reste un pastel de nata à manger. Je vais le manger. Puis voilà. Et on se retrouve dans ma pièce en travaux. C'est bien dans cette maison parce qu'il y a tout le temps des pièces en travaux. En fait, cette pièce, je sais pas si je vous avais dit. En novembre, j'ai commencé à poncer les poutres. Donc pendant un week-end, j'ai poncé toutes les poutres comme ça à fond, j'étais très motivé. J'avais pas fini. J'ai repris le ponçage des poutres il y a une semaine ou deux, il y a deux semaines je crois. J'ai fini de poncer les poutres, donc voilà ce que ça donne. Sachant qu'avant les poutres étaient vraiment noires, donc là elles sont assez... Attendez, hop, ce sera mieux comme ça. Elles sont un peu plus jaunes en vrai que dans la vidéo. Donc je sais pas, après peut-être que je les patinerai un peu avec une cire et tout. Si vous avez des bons conseils pour ça, n'hésitez pas à me dire. Tout le reste, je vais tout peindre en blanc. Mais du coup, il y avait des fissures dans les murs, des trous rebouchés et tout. Donc j'avais déjà mis l'enduit. Là, il faut tout que je ponce et que je regarde pour remettre de l'enduit à certains endroits. Parce que par exemple là, non, là, il y a quand même un petit trou. Donc voilà, je vais faire ça.
et après je pourrai tout repeindre comme il faut. Là on est bon, je viens de tout poncer, enfin tout poncer tout là où j'avais mis de l'enduit, les endroits où il fallait remettre un peu d'enduit par-dessus, je l'ai fait. Il ne me restera plus qu'à peindre, donc comme vous pouvez le constater au plafond, plutôt vers là, c'est pas évident, là, et ben j'avais mis du scotch, en fait la dernière fois j'ai mis tout le scotch et tout, je me suis dit au moins quand j'ai envie de peindre, bam j'arrive, je peins, tout va bien. Sauf que le scotch n'a pas tenu, donc regardez un peu le plafond. Voilà, on dirait des guirlandes quoi, c'est super. Il n'y a plus qu'à tout remettre à chaque fois, mais bon, ça devrait aller assez vite. Là, j'attends juste que ça sèche comme il faut. Je reponcerai un petit coup. Et après, c'est bon, dès que j'ai 5 minutes, ben, j'attaque la peinture. Bon, du coup, on a complètement oublié le vlog. Bravo Tanguy. Bravo Noémie. Plus personne parle du coup. Genre, Gwen, elle s'est poussée le plus possible. Si elle pouvait passer derrière le mur, je pense que ça l'arrangerait. Du coup, on est au resto. Grégoune, on est au resto. Non. Tout le monde m'observe. Bah ouais, grave, le pauvre. Le restaurant s'est arrêté. Quoi. Et c'est vrai, il n'y a plus un bruit dans le restaurant. En même temps, il n'y a que nous, donc forcément. Tanguy, il a pris un truc végan ? Non, végé. Végé, c'est juste qu'on va nous ramener des frites par contre. Parce que... Il y avait plus de frites. C'est ça. Et moi, végé aussi, du coup, mais je demande toujours juste le fromage et un steak végé. Voilà, bonne app. Et nous revoilà. Oula, mes cheveux, ça ne va plus. J'ai mis ma capuche, il pleuvait aussi. Il faut pas enlever la capuche. Faut pas, il faut garder la capuche toute la nuit. On est allé voir Harley Quinn, on vous l'a pas dit, je sais pas quelle heure il est, elle est au moins minuit là. 11h30 ? Non, 23h23. Bon, ça va. Pile, pile. On est bien. On est allé voir Harley Quinn. Non. Mais j'ai pas aimé. Hein. Moi j'ai trouvé ça un peu rigolo quand même, j'ai un peu plus aimé que toi, mais toi t'as pas du tout aimé. Vraiment, lourd pour les enfants. Tous les gens qui ont été, ils ont pas aimé. Ouais, mais tous les films qu'on va voir au cinéma en ce moment, je suis toujours avec ma ficelle, j'aime pas trop. Non mais elle était là comme ça, je te l'ai juste rendu dans le je t'ai craché dessus du coup. Mais tous les films qu'on va voir au cinéma en ce moment, je trouve ça fou, lourd. T'as pas trouvé ça lourd? Moi je vais jamais au cinéma. Mais moi j'y vais très rarement à chaque fois. Parce qu'elle était rigolote quand même. C'est rigolo, mais c'est pour les enfants. Moi j'ai trop l'impression que c'est pas la même actrice. Bah si. Mais c'était il y a plus longtemps, c'était il y a un moment, hein, le premier, Suicide Squad. Ouais, non. Okay. Et Will Smith, il était encore jeune. Bah, il n'y avait pas Will Smith, non? Ah bah là, non. Et bah voilà, du coup, bah, partagez, moi j'aime pas, Noémie, elle aime à moitié. Non, mais je vous le recommande pas. J'ai trouvé ça rigolo, ça va, j'ai pas l'impression d'avoir perdu 2 heures de ma vie. Mais tous les gens avec qui on était, ils ont dit qu'il était nul à chier, donc voilà. Il était pas incroyable, quoi. Ouais. Il était un peu rigolo quand même. Oui, moi j'ai rigolé une fois. Ouais, à un moment j'ai entendu, t'étais là. Non. Pas vraiment, t'as juste fait. C'était vite fini. Voilà. Bref, on bon, sur ce, on espère que ce vlog vous aura plu. Oui, on va vous laisser. On vous retrouve mercredi à 17h30. Oui, à partir de maintenant, on poste tous les mercredis et tous les samedis à 17h30. On va se réimposer un rendez-vous. Je pense que c'est quand même plus sympa. Et il y aura toujours des périodes où il y aura des vlogs tous les jours quand on sera à l'étranger. Bah, c'est ça. Ou si on a plus de choses à vlogger dans la semaine, on pourra vlogger samedi, dimanche. Mais mercredi, samedi. Il y aura toujours un vlog. Donc voilà. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, comme ça on vous montrera notre Saint-Valentin sur Insta parce qu'on a décidé de pas vlogger, de profiter, mais on vous fera des stories tous les deux. Du coup, quand vous verrez ce vlog, vous aurez un petit peu la fin de journée. Quoi. Un petit peu, ouais. Il reste fallait un être petit là peu. Avant aussi. Et ouais, Les gars. Et voilà. Et voilà. Bon, du coup. Oh non, juste par rapport à ce que t'as dit dans le swap. Le porte-clés. J'ai cette clé-ci et cette clé-ci. Tout le reste, ce sont des merdes. Tout le reste, c'est des porte-clés. Donc, le fameux. Je t'aimerai quand les zombies t'auront attrapé. Celui-là, il est bien. Ouais. Mais celui-là, je l'avais commandé sur Etsy. Mais c'est lui fait aussi, à la main, je l'adore. Il faut des semaines pour l'avoir. Oui, il a fallu du temps. Il vient de loin. Et là, il y a même des petites clés USB. Là, il y a des rouges à lèvres, mais c'est un faux. C'est un faux rouge à lèvres. Oui, tu veux qu'on essaie? Ça dit ça que ça traîne partout. Ah, c'est dégueulasse, c'est eux les clés. Tu t'as chopé une maladie là. C'est demain un bouton de fièvre. Oui, partout là. On verra ça demain dans les stories sur. Pour la Saint-Valentin. Sur Instagram. Super. Merci. On va arrêter parce que l'on est fatigué. Bon, allez, du coup, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Ciao.